Et bonjour à tous. Alors on va déjà laisser passer notre canari jaune. Alors aujourd'hui je vous emmène à Estavard. Estavard et son hameau de Bajande. Et surtout après je vais vous emmener au pic, au Puig d'Olivia et son ancien château. Alors évidemment hein, on est à l'arrêt d'Estavard, hein, du train jaune. Avant il y avait l'arrêt de Villa. Et surtout, avant Villa, il y avait l'arrêt de Bolkeren, la plus haute gare de France. Et là, notre petit canari s'en va à Sayagouz. Et nous, on s'en va à Bajande. Et après, au Puig d'Olivia. À toutes. Donc là, nous sommes au hameau de Bajande, avec l'église Saint-Barthélemy, l'église romane. Et là, regardez. Tout là-bas, vous avez... vous avez une petite montagne qui n'est pas enneigée hein, là-bas. C'est le Puig d'Olivia et son château. Donc, je vais vous y emmener. Donc là, regardez. Nous sommes au pic d'Olivia. Nous allons jouir d'un panorama exceptionnel. C'est parti, on fait le tour des lieux avec Estavard. Là vous voyez au loin la centrale Thémis de Targasone. Voilà, le château de Livia, El Castel de Livia. Allez, c'est à voir. Le pic de Moro là-bas. On voit le Cambre d'Az. Super. Oh, donc là, on est sur un autre point de vue. Vous avez les cols rouges, les pics des cols rouges, là, entourés par le col rouge. Pic col rouge occidental et oriental. Là-bas, Angoustrine, Dor, la chapelle de Béoc, on y avait été. Et là-bas, voilà. On va y aller là. On y va. On suit le drapeau catalan. Donc là, Livia en bas. Et après, tout là-bas, là, vous avez Puigcerdà sous la Serra del Cadí. Et tout au loin, là-bas, vous avez Oceja. Voilà. El Castel de Livia. Donc voilà, c'est devant l'église Sainte-Eugénie de Sayagouz que je vais vous laisser. J'espère que cette petite balade à Estavard et à Livia vous a plu et que vous aurez envie de la reproduire. Parce que franchement, ça fait du bien de voir encore de nouvelles choses sur ce territoire catalan. Surtout voilà, au Puig d'Olivia et son château. Donc, à Sayagouz, il y a pas mal de choses à faire. Vous avez évidemment Yo et ses bains. Qui sont à quelques kilomètres d'ici. Vous avez les deux hameaux que sont Ro et Vedrinyans. D'ailleurs, à Vedrinyans, nous étions passés, je me souviens, lors de notre GRP de Cerdagne. Et évidemment, vous irez à Puigcerdà en Espagne en passant par Bromadam, Sayagouz. Beaucoup de commodités qui peuvent faire apprécier cette magnifique commune de Cerdagne. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.